Super. Herzlichen Dank fürs Kommen an dem Mittwochabend zwischen den zwei Läufen vom Nachtsalon in Schlafen. Ja, wir haben zwei Gäste bei uns, der Isaac Schmidt und der Emmanuel Latelat. Wir freuen uns, dass sie da sind. Ich habe mich schon vorbereitet auf drei Sprachen. Jetzt hat der Emmanuel gesagt, wir machen es mit Französisch, da kommt man ein bisschen entgegen. Es wird so sein, dass ich immer eine Frage stelle und dann nach der Antwort das Ganze wird für euch übersetzen. Genau, wir machen zuerst so ein bisschen Ping-Pong, so eine Geschichte von Isaac, Geschichte von Emmanuel und nachher noch einen allgemeinen Teil. Natürlich dürfen wir euch auch einbringen, nur auf Französisch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder uns ist etwas gerade zum Thema interessiert. On va commencer avec toi, Emmanuel. Tu es absent en raison des problèmes au niveau des adducteurs. Comment tu sens? Ouais, je commence moi, je dis bonsoir à tout le monde. Et, ouais, à partir de cette. Ça fait au moins 2 ou 3 semaines, mais maintenant je me sens bien. Et j'espère me retourner dans quelques semaines. Je pense qu'il ne manque pas beaucoup. Et, je vais retourner à l'Angola. Ok, also, freut sich, dass er da ist. Grüßt alle und ihr habt jetzt schon 2-3 Wochen Probleme mit Adduktoren. Er ist aber auch zuversichtlich, dass er sich in den nächsten Wochen verbessert und dass er bald wieder zurück ist auf dem Platz. Isaac, tu es footballeur professionnel depuis l'été 2029. Ton aventure a commencé à Lausanne. Depuis la saison 2021-2022, tu fais partie du FC Saint-Gall. Quel était ton plan de carrière lorsque tu rêvais de devenir footballeur professionnel pendant le Team Vau? Bonsoir à tous. Bon, en fait, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, j'avais aucune idée en fait du fonctionnement de pour arriver à mes rêves de faire la Coupe du Monde, faire la Champions League. Du coup, j'ai pas trop fait attention à ces choses, mais je voulais passer toutes les étapes en fait, gagner tous mes combats et je suis arrivé professionnel au final. Also er sagt auf die Frage hin, wie er eigentlich seinen Karriereplan gesehen hat, als er 2019 seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat bei Lausanne und vor dem Nachruf von Lausanne, dass er eigentlich nicht genau gewusst hat, wie es mit seinem professionellen Fußball zu und her geht. Er hat aber immer gewusst, dass eigentlich jeder Kampf wird gehen und er wird gewinnen, um Fußballer werden. Jetzt ist er es geworden. Comment ça se passe avec Saint-Gall? C'était comment le contrat et tout ça? Alors c'est une histoire très, très surprenante et j'en serai toujours. Je remercierai toujours Saint-Gall de m'avoir donné la chance. Mais normalement je me retrouvais sans club. J'avais signé en promotion league ou dans un autre pays. Et au final, avant que je rentre en contact avec une équipe d'un autre pays où c'était un peu, disons, signé un peu sa fin de carrière, il y a Saint-Gall qui est venu. Ils ne sont pas venus directement, c'est mon agent qui a contacté Saint-Gall pour un autre joueur. Et vu que mon agent m'aimait, ben, il a parlé de moi à Peter Seider et tout est arrivé comme ça. Peter Seider me connaissait et. Concernant ma situation, sachant que j'étais gratuit, que mon club me laissait partir gratuitement, qu'il n'y avait rien à payer et que eux, j'étais déjà sur le radar depuis un an, ça a fait que les choses sont allées vite et j'ai signé à Saint-Gall. Also, sehr spannende Geschichte. Ich habe ihn gefragt, wie es mit dem FC St. Gallen zustande gekommen ist. Und er hat dann gesagt, dass er eigentlich stupid schon Mühe gehabt hat, Club finde ich gegen FC St. Gallen auch sehr dankbar, dass die Anfrage gekommen ist über den Berater, der eigentlich nicht wegen ihm in Kontakt ist mit dem FC St. Gallen, sondern mit einem anderen Spieler. Er hat dann auch so ein bisschen ins Ausland, Stichwort Karriere, nimmt, ist sogar schon im Raum gestanden. Und dann hat FC St. Gallen angeklopft und es hat dann trotzdem geklappt. Ja, finde ich spannend, weil da haben wir ein Stück weit nicht gewusst. Und so hat er dann in Ostschweiz gefunden und ist sehr froh darüber, dass er den Weg hat können gehen, eben im Hinblick auf die Saison 2021-2022, wo er schon im FC St. Gallen bestritten und überzeugt hat.
Hey, Emmanuel, ta famille vit à Crémone, où tu es arrivé de Abidjan à l'âge de 8 ans. Quel est ton lien avec ces deux villes et avec ta famille? Ouais, je suis venu en Italie à 8 ans. Mais quand même, la Côte d'Ivoire est toujours restée. C'est mon pays où je suis né, donc j'ai mes parents là-bas encore. J'ai un grand frère là-bas. Et après, je suis arrivé en Italie pour rejoindre mon père en 2008, je pense. Je ne me rappelle même pas. Et ouais, j'ai grandi en Italie. Donc, pour moi, maintenant, c'est devenu comme ma première nation. Quoi. Mais quand même, je n'ai jamais oublié la Côte d'Ivoire. Mais quand même, quand je pense en Italie. Mais quand même, on s'est bien trouvé. On retourne en Côte d'Ivoire quand même. Pas beaucoup de fois parce que quoi, avec le foot c'est difficile. Hein. Et quand même, on retourne beaucoup parce qu'on a des parents là-bas encore. Ja, der Emmanuel fragt, wo in Cremona aufgewachsen ist, wo er mit 8 angekommen ist. Cremona ist im Norden von Italien. Sehr schöne Stadt übrigens. Und dort ist mit 8 angekommen von Abidjan, von der Hauptstadt von der Elfenbeinküste. Und mit der Elfenbeinküste verbindet er weiterhin Verwandte und Familie. Er kann wegen dem Fußball nicht sehr oft zurückkommen in die Elfenbeinküste. Und er denkt eigentlich auch eher an Italien, wenn er an seine Heimat denkt. Einfach weil er schon sehr lange dort ist. Er weiß schon gerne, wie lange also er schon jetzt in Italien ist. Aber eben, natürlich, wie man es kennt, Heimat ist ein Gefühl und kein Ort, auch bei ihm weiterhin die Verbindungen in die Elfenbeinküste. Isaac, tu es encore jeune, mais tu aimes apparemment assumer la responsabilité de l'intégration des nouveaux joueurs. Comment vois-tu l'évolution de ton rôle à FC Sengal et c'est lequel actuellement? Alors pour commencer, en fait, quand je suis arrivé à Sengal, j'ai été très très bien accueilli. Et par les autres joueurs, il y avait aussi des joueurs qui venaient un peu de la même région que moi, d'autres qui parlaient aussi la même langue, du coup, et surtout on avait le même âge. Du coup, l'intégration elle a été facile et grâce à eux, parce qu'ils ont été très, très 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 sociables, très ouverts. Et vu que je suis quelqu'un qui aime partager la même chose, j'aime donner aux autres ce que je reçois ici. Pour moi, c'est très important d'apporter la même chose à ceux qui vont venir et encore et encore. Wir haben jetzt gerade darüber geredet, wie es ja seine Rolle war, wo ein bisschen neben dem Platz. Es geht darum, dass er sehr viel Verantwortung übernimmt für Spieler, die zum FC St. Gallen kommen, die einen sprachlich anderen Hintergrund haben, vielleicht Französisch redet. Und der Grund, wieso er sich da eben denen annimmt, trotz im jungen Alter, ist, dass er eben selber auch die schöne Integration erfahren hat, dass er da wertschätzt, dass er Leute hat, die sich um ihn gekümmert haben und dass er da eben weitergehen will, wiederum andere ins Team kommen, die die sprachlichen Barrieren haben, aber auch vielleicht die Stadt nicht kennen und da doch etwas ist, wo der Isaac für neue Spieler gern macht. On a déjà parlé de tes racines en Côte d'Ivoire. Tu as joué très tôt même dans une de la meilleure académie du football du pays d'Italie, la Cingonia. L'équipe nationale junior t'a-t-elle déjà contacté ou jamais du Côte d'Ivoire ou de l'Italie? Ouais, ils m'ont déjà contacté au l'équipe nationale, les deux. Quand j'étais plus petit, à partir de 14 ans jusqu'à 16 ans, l'Italie. Mais je n'étais pas italien, je n'avais pas encore le passeport, donc je ne pouvais pas aller. C'était dommage. Après, la Côte d'Ivoire m'a appelé, j'avais 18 ans ou 19. Mais je n'ai pas pu aller parce que j'avais... Atalanta, ils m'ont dit de ne pas aller parce qu'on avait un grand match important. Donc maintenant, j'attends qu'on m'appelle. Lequel? Ah, lequel? Moi, je voulais jouer pour la Côte d'Ivoire, mais quand même, que l'Italie, je dois penser parce que c'est très difficile, c'est pas facile. Spannende Geschichte von Emmanuel in Verbindung mit der Nationalmannschaft. Emmanuel hat seine Ausbildung in der Cingonia genossen. Das ist eigentlich wirklich mitunter die beste Nachwuchsakademie in Italien, von Atalanta. Da hat natürlich auch Nationalteams auf den Plan gerufen.
Zwischen 14 und 16 ist er von Cordua, also von den Elfenbeinküsten, angefragt worden. Oder er hat den Pass à 14 ans, c'était la Côte d'Ivoire oder Italien? Italien war mit 14 bis 16, hatte aber den italienischen Pass noch nicht gehabt. Mit 18 ist es dann im Gegensatz die Nationalmannschaft aus der Elfenbeinküste gewesen. Dort war das Problem, und da gibt es ja immer wieder, hört man bei afrikanischstämmigen Spielern, dass der Club den Spieler nicht freigibt und einfach sagt, unsere Match, unsere Serie A-Match sind wichtiger als Nationalmannschaft. Und darum hat auch da nicht geklappt. Er hofft aber weiterhin, dass er irgendwann Chancen hat. Er würde gerne für die Elfenbeinküste spielen, aber ja, sehr auch jemand, der nicht weiss, eben in Italien würde anklopfen. Aber doch spannend, dass eben in Stuttgart so im ersten Schritt einmal gescheitert ist, weil einmal der Pass nicht da war und einmal Atalanta nicht so okay gegeben hat. Ich sage auch, parlez-nous deux sur le Röstigraben, le fameux Röstigraben. Lorsque je vivais à Lausanne, j'ai dû me rendre compte lors d'une visite à mes parents qu'ils savent pratiquement rien de Lausanne. Que c'est là lui-même, il sait rien de Lausanne. mais peut-être ta famille, alors. Que c'est ta famille de la Suisse orientale ou même de Saint-Gall? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont déjà visité ou pas vraiment? Bien sûr. Du coup, j'ai vécu là-bas et maintenant ça fait un an et demi que je vis ici. Du coup, j'ai pu voir les différences. C'est vrai que quand je suis arrivé, c'était assez spécial pour moi parce que les cultures, disons, la population déjà est différente. C'est un peu, on va dire, le côté francophone, un peu comme la France. Ça se rapproche de la France, c'est un peu normal, c'est comme les Suisses allemands, ça se rapproche un peu de l'Allemagne. Du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a des différences, mais ça reste la Suisse, je pense. Sur beaucoup de points, des deux côtés, ça reste la Suisse. Er ist von der Nationalmannschaft von Brasilien. Auch der Marcelo ist für ihn ein Vorbild. Eigentlich sind die liebsten Läufer und darum doch sehr spannend, dass da offenbar doch eben auch eine Verbindung oder eine Rechtfertigung für den Namen besteht. Et le jeu vertical de Peter Seidler, ça te convient, je crois? Oui, ça me convient. Parce que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup jouer vite vers l'avant, voilà, c'est ma qualité d'aller vite. Je suis quelqu'un, j'aime réfléchir vite et je ne suis pas quelqu'un qui va trop prendre de temps pour réfléchir. Je suis quelqu'un d'instinctif, du coup c'est un jeu qui se colle vraiment dans le jeu. Stuttgart hat er natürlich mit dem vertikalen Spiel zu tun, wo Peter Zeidler zu praktizieren versucht, beziehungsweise seine Spieler. Meistens erfolgreich einer davon ist der Isaac, der sagt, er habe nicht zu viel Zeit oder er will nicht zu viel Zeit investieren, um zu überlegen, sondern einfach instinktiv spielen, meistens gegen Führer. Da hilft ihm sicher auch sein Tempo und das ist eben auch mit dem Grund, dass er eben verglichen worden ist mit dem Marcelo. On va parler de ton club précédent, tes 8 clubs précédents, on doit dire, ils sont été toujours des clubs de l'Italie. À quoi as-tu d'habitué en Suisse? Ouais, j'ai joué dans beaucoup de clubs, ça c'est vrai. Et la différence entre, comment on appelle ça, l'Italie et venir aussi jouer ici, c'est le fait que ici pour un attaquant, je pense que c'est un attaquant peut jouer plus libre. En Italie, on te demande beaucoup de, on t'impose beaucoup de choses. Donc tu peux être libre, mais pas trop, parce qu'il y a beaucoup de tactiques, il y a beaucoup de, ici il y a tactique aussi, mais quand même tu es un peu plus libre dans la tête. Donc j'arrive à jouer, à bien jouer, à montrer ce que je peux faire en dehors des ordres. Es ist spannend, dass der Manuel Wurzeln Elfenbein hat, aber seine ganze Karriere eigentlich im italienischen Fußball bestritten hat. Wie 8 Klub, wie viel Klub, wie er selber sagt. St. Gallen ist seine erste Station im Ausland, in der Schweiz. Und für ihn als Stürmer ist es eigentlich dankbar, weil er sagt, in Italien bist du sehr eingeschränkt in deinem Dasein oder im Ausleben von deinen Stürmerqualitäten. Das ist hier in der Schweiz ein Stück weit einfacher, wenn du einfach noch ein bisschen mehr Freiheiten hast. Und das war etwas, wo er sich daran gewöhnen musste. En Western Italy,
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses, à part de foot, qui est mieux en Italie qu'ici? Non, c'est pas que c'est mieux, mais quand même, pour le Suisse, c'est bon. Mais pour moi, je suis habitué, c'est la nourriture, ça me manque trop. Qu'est-ce que te manque le plus? Ah, moi j'aime, je sais pas, vous connaissez, ça s'appelle Pizzocche, ça vient de Bergamo, j'ai vécu là-bas, Pizzocche. Ils font une sorte de pâte. D'accord, c'est comme les casoncelli ou pas vraiment? Non, c'est à peu près comme les spaghetti, mais ça fait avec de patates. D'accord. Natürlich, von mir ist hier in Italien, wir können es auch anders ziehen, essen. Pizzocche, hat er gesagt. Was man vermisst, sind nicht etwa Casoncelli, die bekannten Teigwaren aus Bergamo, wo übrigens auch die ganze Rivalität zu Brescia ein Stück weit argumentieren können. Sondern es sind effektiv die Pizzocche, die mit Herdöpfen gemacht werden, die man vermisst. Also wenn jemand eine gute Adresse kennt, vielleicht auch einen richtigen Bündnerland, und können es da wahrscheinlich noch eher haben, dürfen wir gerne einladen. Ich glaube, da werden wir argumentieren, dass er noch ein bisschen länger bei uns bleibt. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent que tu manques encore de l'Italie? Ouais, en Italie, moi je suis habitué à sortir, pas sortir pour, comment dire, sortir pour aller faire du bruit quoi. Sortir, par exemple, avec mes chiens comme ça, mais quand même je dois rester tout en mouvement. Ici c'est difficile parce que la culture est différente. Ici, travail, après à la maison. Tout mon travail à la maison. Après, ça me manque un peu de sortir un peu plus parce que j'ai besoin de ça, je suis habitué à ça. Er bemängelt, dass in der Schweiz eben die Leute so die Mentalität haben, dass man nach dem Arbeiten heimgeht. In Italien ist das etwas anders. Es geht nicht immer darum, rauszugehen und Lärm zu machen oder irgendwo in einer Bar abzacken. Aber einfach die Zeit so ein bisschen nebst dem beruflichen Alltag, so ein bisschen das italienische Lebensgefühl, das er doch auch ein Stück weit hat dürfen erleben, das vermisst er natürlich. Et avec le temps, ça va? Ah, ça c'est un autre objet. Hein. Le temps, maintenant, il fait trop froid. Ah, ça c'est trop. Moi, je suis pas habitué à ça. It's cold, yeah, it's cold. Genau, natürlich haben Sie rausgehört, ist auch das Wetter ein Stück weit eine Umstellung für ihn, wo er sich daran gewöhnen musste. Isaac, quand on a parlé de Marcelo Suisse, et maintenant, avec le départ de Daouda Guindo, avec le départ qui était assez tôt, une poste se libère à nouveau pour toi à l'arrière gauche. Tu penses ça ou c'était quelque chose que tu as pensé? Alors oui, c'est quelque chose que j'ai pensé parce que j'ai déjà pu jouer à ce poste pendant 6 mois. Voilà, j'ai pu discuter avec le coach et pour l'instant j'ai 2 positions. Puis c'est lui qui décide. Je suis prêt à jouer aux 2 positions à partir de maintenant et on verra par la suite. Peut-être que je jouerai plus latéral gauche, peut-être plus en 8, mais... Voilà. Lequel tu préfères? Si celui tu peux décider préfère. C'est compliqué. Fais attention parce que le coach il attend. Ce que je préfère en latéral gauche, c'est que je peux un peu tout faire et je vois un peu plus le jeu. Enfin, je peux me défendre et attaquer. Et ce que j'aime beaucoup aussi en numéro 8, c'est un peu comme en latéral gauche, c'est que je peux aussi défendre et attaquer et en plus de ça, je peux aller marquer. Et du coup, je suis beaucoup plus en position pour tirer, pour faire des passes et d'être proche de la boxe que je pense tout footballeur comme ça. Voilà. Das Thema war der Daouda Guindo oder eben sein Abgang und damit so für die linke Außenverteidigerposition, die ja wieder frei geworden ist, beziehungsweise mit dem Michael Kempter jetzt über Besetzkeit im Spiel gegen Basel. Der Isaac hat selber 6 Monate schon auf dieser Position gespielt, eine Position, die ihm sehr gefällt, weil er eben sich auch ins Offensivspiel einbringen kann. Er würde auch nicht Nein sagen, wenn es wieder Platz auf dieser Position geben würde. Er hat sich aber auch mit seiner Position auf dem 8. Abgefunden, als 8er.
weil es einfach auch noch ein Stück weit ein mehr von School geht, eben dort in dem Strafe, wo man passiert, in die Richtung, wo er gerne zieht, als ursprünglicher Rechtsaußen, wo doch einen Offensivdrang mitbringt. Und ich finde das doch immer wieder spannend. Das ist ja so die Mentalität von Peter Zeidler, wo, glaube ich, auch ein Stück weit der Grund ist, wieso es gar nicht so ein attraktives Spiel gegen Führer hat, dass eben Leute umfunktioniert werden und den Offensivdrang eben mitbringen. Dann irgendwann aus einer Aussenposition mit viel Zug und vor allem auch mit viel Tempo gegen Führer zieht. Und Emanuel hat dann natürlich noch darauf hingewiesen, dass er nicht sagt, was seine Lieblingsposition ist, einfach auch im Hinblick auf die Spielzeit. Also man sieht zwei gute Kollegen noch, die auch mitstudieren. On va parler encore une fois de l'Italie, parce que c'est quand même intéressant qu'en Italie, tu as connu de trois divisions, par exemple, tu as joué avec Aurora Pro Patria en Serie C, anche le Spal en Serie B, tu as aussi joué avec l'Atalanta en Serie A, même avec Atalanta en Primavera. Alors, quels sont les moments que tu as marqué dans ce temps? Je te dis, ce sont trois championnats différents. Mais j'ai eu la chance de jouer dans les trois championnats parce que quand même, quand je suis sorti de la Primavera de l'Atalanta, je pense que j'allais jamais penser que je pouvais me retrouver en troisième division. Donc le premier moment, ça a été difficile parce que pour un jeune, que ton entourage te dit tu peux jouer au foot et tout ça, ça commence, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ta tête et tout. Après, moi j'ai marqué un but qui m'a... Peut-être dans ce moment-là, je n'étais pas prêt à avoir ce but. Mais quand même, le fait que je suis allé en troisième division, ça m'a... Je suis remonté du moral, quoi. J'ai commencé à dire, ok, maintenant je dois recommencer. Donc doucement, j'ai repris ma tête, j'ai recommencé à penser avec ma tête, pas avec les têtes des autres, quoi. Et après, j'ai eu la possibilité d'aller à Serie B l'année passée, et je suis allé, mais là-bas, ça a été, au commencement, ça a été difficile, parce qu'ils m'ont dit, tu viens là-bas comme cinquième attaquant. Mais quand même, moi, j'avais pas... Je dis, ok, ça va, quand même. Moi, c'était beau parce que j'allais en deuxième division. Après, je venais de 3 ans de CNC. Donc, après, j'ai montré ce que je voulais. Je n'ai pas eu la chance parce que là-bas aussi, je me suis blessé, toujours avec la victoire. Donc, et après, j'ai récupéré, je suis retourné et j'ai fait une bonne fin de saison. Donc, la différence, c'est l'intensité qui est la différence. Beaucoup. Es ist doch spannend, die Geschichte mit dem Emanuel, wie er den Weg auf St. Gallen gefunden hat, ist zwar durch alle drei Spielklassen in Italien. Müsst ihr euch vorstellen, Emanuel kommt aus der Zingonia, wie er schon gesagt, der beste Nachwuchsakademie, also Atalanta führt eigentlich jedes Jahr die Nachwuchsmeisterschaft. Er war dort Spieler gewesen und plötzlich hat er sich in der Serie C gefunden. Hat eigentlich nicht gedacht, dass er mal in der Serie C wird spielen. Für ihn war es auch ein Rückschritt gewesen. Hat sich dann auch wieder aufraffen und sagen, du gut, jetzt mal den Neuanfang starten. Vielleicht auch so ein bisschen zum Kontext, auch in Italien, Serie C, also da reden wir von Clubs wie Pianese oder Pistoia oder Aurora Pro Patria, das sind bessere Dorfplätze zum Teil. Haben zwar überall eine Ultraszene, aber sonst sind Stadien nicht wirklich voller. Und das war für ihn doch eine schwierige Zeit gewesen, wo man sagen musste, der Weg zurück, da ist er nicht bereit gewesen, wo der am Anfang war. Und da ist auch gewachsen mit dieser Zeit. Er hat dann über Aurora Pro Patria, einen Club in Busto Arsizio im Norden von Italien, hat er dann zu Spal Ferrara gefunden. Ziemlich nahe bei Cremona übrigens. Und hat dort Einsatzzeit gesammelt und ist so dann eigentlich zum St. Gallen kommen, aber hat jetzt wirklich den Gang durch die italienischen Fußballinstitutionen durchgemacht und wird immer einfach im Moment erlebt. Und die Intensität ist jetzt natürlich wieder eine andere in St. Gallen drin. Peut-être on peut aussi parler de ton situation avec ton club principal, Bergamo, parce que c'est intéressant. Tu es un joueur en prêt et tu es lié par un contrat jusqu'à 2024. L'Atalanta, il continue à te garder, mais il faut aussi un peu obstacle à un transfert. Comment tu sens de cette situation? Comme on dit, c'est un sujet, comme on dit, c'est pas un nouveau sujet, quoi.
Parce qu'au début, je devais venir aussi déjà comme. Saint-Gall devait m'acheter. Après, il y a eu des complications, donc à Toronto, ils ont dit non. Donc, moi maintenant, je me sens bien, vraiment bien à Saint-Gall. Et j'espère que. Il y aura une solution, quoi. Parce qu'avec Atalanta, j'ai dit, je m'en passe, c'est pas facile. Mais quand même, si je continue à marquer, ça va être encore plus difficile. Mais moi, j'espère quand même de changer un peu d'air, quoi. Es ist wirklich beeindruckend. Emmanuel, ist Atalanta schon im Weg gestanden im Hinblick auf Nazi, Aufgebot von der Elfenbeinküste. Jetzt hat er immer noch einen Vertrag bis 2024. Die Atalanta ist als Leihspieler St. Gallen, würde eigentlich sehr gerne bei St. Gallen einen fixen Vertrag unterschreiben. Atalanta will den aber auch nicht gehen lassen. Das ist also etwas, was man immer wieder sieht bei Atalanta, dass sie sich eben ein Stück weit halt immer noch in der Hinterhand eine Möglichkeit haben, Emmanuel zu behalten. Er hat ja auch schon Spiel gemacht für die erste Mannschaft, übrigens auch gegen die Juventus, schon ein Goal gemacht. Es ist für ihn aber sehr schwierig, weil er als Leihspieler nicht weiss, ob er die Möglichkeit hat, um in St. Gallen zu bleiben, was ihm doch sehr gefällt. Und so die Situation nicht neu ist für ihn. Also schon, wo St. Gallen Interesse angemeldet hat, hat man eigentlich ihn verpflichten wollen. Und Atalanta hat wie die Möglichkeit nicht gegeben. Es erinnert ein Stück weit irgendwie auch so an das nordamerikanische Sportsystem, dass er halt effektiv nicht her ist über seine Position oder seinen Club. Und das ist doch etwas Spezielles und etwas, wo wir ihm doch wünschen, dass er sein Hauptclub vielleicht sogar Freigabe erteilt und er die Möglichkeit hat, zum FC St. Gallen zu wechseln. On a déjà parlé du jeu vertical, de très fort, de très vite, tout ça. Est-ce que tu vois tes faiblesses aussi, peut-être ton pied gauche ou quelque chose que tu sais que tu dois être encore plus fort Oui, c'est vrai que déjà, en fait, de jouer en tant que latéral gauche à gauche, c'est quelque chose qui n'est pas aisé. J'ai dû beaucoup m'adapter. Après, c'est vrai que j'ai quelques lacunes en fait, avec mon pied gauche, mais j'essaie toujours de travailler pour. Parce que je sais que ça va m'apporter, quel que soit dans le club où je vais aller, ça va m'apporter quelque chose. Et aussi mes lacunes défensives, parce que toute ma vie, j'étais un joueur offensif et. Voilà, je me retrouve un peu un joueur défensif, surtout dans le dispositif du coach. Il est important d'être solide parce que dans les équipes qui pressent beaucoup, du coup, si on ne fait pas bien notre travail, c'est un peu nous qui tenons en fait la dernière corde de l'équipe. Es geht so ein bisschen darum, dass der Isaac. Ein Stück weit auch ein bisschen Schwächen mitbringt im Spiel gegen hinten, weil er einfach auch sagt, ich war mein Leben lang ein Offensivspieler gewesen. Da bringt ihm auch den Zug mit und eben auch das Tempo im Spiel gegen Führen. Aber es bringt ihn auf der linken Seite, auf der linken Abwehrseite eben auch ein Stück weit den Nachteil, dass Fehler ziemlich bestraft werden. Er sagt auch, er müsse noch seinen linken Fuß arbeiten. Vor allem auf der linken Seite, wenn man gegen Führer zieht, ist das natürlich relevant. Und es ist so ein bisschen das Defensivspiel, das ihm noch Sorgen macht. Oder einfach ihn beschäftigt, weil er eigentlich sich sein Leben lang mit dem Offensivspiel befasst hat. Und sich dann plötzlich, wie so ein paar andere auch, die schon angekommen haben, plötzlich in der Verteidigung gefunden haben. Maintenant, on va parler de le camp d'entraînement en Espagne. Le camp d'entraînement. Avec vous, avec qui avez-vous partagé votre chambre en Espagne? Moi, j'ai partagé ma chambre avec Acolo. D'accord. Il est comment? Ouais, ça va, c'est bon. Agréable. Ouais, ça va, ça va. Et toi, Isaac? Moi, j'ai partagé avec Ziggy. Sigi, d'accord, ok. Est-ce que vous êtes tous ensemble avec Chadrak ou est-ce qu'il y a des groupes ou quelque chose? Ouais, il y a des groupes, mais pas parce que l'équipe est divisée, parce que il y a les langues dedans, il y a l'allemand, il y a l'anglais, le français. Donc il y a une partie qui parle français, donc on est plus proche que les autres, mais quand même, moi, je suis arrivé ici, j'apprends allemand. Et j'ai appris l'anglais, donc je cherche à parler avec tout le monde, quoi. Mais c'est trop difficile, allemand. Ouais. Je suis vraiment content de ne pas avoir besoin d'apprendre l'allemand.
Es geht ums Trainingslager, es geht um Zimmergenossen. Einmal haben wir den Charles Cacuno, einmal haben wir den Lorenz Attizigi. Natürlich ein Stück weit auch sprachlich bedingt. Er sagt, es gebe die Gruppen, aber es gebe die Gruppen nicht, weil es diesen Leuten sich die Spieler untereinander nicht verstehen. Jetzt nimmt mich trotzdem noch Wunder. Laurence, il chance ou la douche? Ah, oui. Il danse beaucoup. Il aime danser. Il aime danser. Ah, il danse même en chant. J'ai plus de 10 vidéos de lui où il danse. Juste en encore. On va pas les montrer. Also, der Isaac sagt auch, der Lorenz Attizigi, c'est natürlich auch einer, der im Zimmer noch tanzt. Er hat jetzt hier ein paar Druckmittel in der Hand in Form von irgendwelchen Videos. Genau. Et toi, tu danses avec lui? Ah, bah oui. Bien sûr. Sur les deux danseurs de l'équipe. Ok, ok. C'est vrai qu'à musique, normalement la musique. Afro-musique. Afro-musique, d'accord. C'est quelque chose que tu as déjà connu Ah oui, bien sûr, je connaissais déjà. En fait, ça vient de ma culture, en fait. Ça vient de nos deux pays, à peu près. Ok. Also, es ist natürlich auch ein Stück Musik, die sie schon verbindet. Musik mit dem afrikanischen Hintergrund. Et maintenant, si vous pouvez changer la musique d'échauffement. Quelle est la chanson de votre choix? Peut-être lui en premier, comme ça tu peux le penser. On a besoin du nom, ou tu peux chanter toute la chanson? Vas-y, oui. C'est fini, il y a un Non, moi je connais pas. Il connaît, ça je connais pas. Ah bah, ah mais une chanson de, je regardais un film là, Box, c'est, ah oh, j'ai oublié le nom, mais je me rappelle pas, ça s'appelle Running, ça s'appelle, c'est de Box, de, le fils de, ah oh, j'ai oublié, mais ça s'appelle Running quand même, la chanson. Wir werden dann sicher nachher noch schauen, dass sie den Namen von dir jetzt noch liefern und dann tun wir sie im Bierhof Caption, Mario und Bischof. Alors, toi, tu sais non plus le nom? Oui, c'est Friday Night, mais... Parce que moi, je suis différent des autres joueurs, je préfère des chansons qui me décontractent plutôt que des chansons qui me mettent dans le mood, quoi. Alors, tu préfères Friday Night avant le match? Ah, là, pour être Ich glaube, wir wollen wirklich nicht irgendwann vom Lied vor dem Match, weil mit Friday Night sind wir eher abgelenkt, dass das so wirklich aufgewärmt sind. Ich glaube, das ist dann eher so ein bisschen die Auslaufmusik, die der Isaac dürfte bestimmen. On parle d'après un match, comment gérez-vous les défaites normalement? Oui. Après, oh, c'est mieux de parler qu'on gagne. Oui. On sait jamais. Quand on perd, moi, j'arrive avec pas. La musique ou quand on perd, avec la musique, non, c'est impossible. D'accord. Non, je cherche de me distraire avec. Je dors pas, je cherche à regarder des films, mais quand même, c'est difficile parce que tu es là tout le temps, ta tête pense à que tu as perdu, donc c'est pas facile. Je voudrais parler avec mes potes, mais si je parle avec eux, c'est encore plus parce qu'ils parlent de football encore, donc je peux pas. Donc je cherche à regarder des films, à me distraire, sortir avec mes chiens, à me dire que ça m'aide beaucoup. Mais... Es geht darum, wie man Niederlagen verarbeitet. Natürlich etwas, wo man dem Manuel nicht gerne darüber redet. Er kann sogar nicht schlafen, wenn man verloren hat. Er wird sich dann mit Filmen ablenken, geht mit seinen Hunden laufen. Doch sehr spannend. Die Musik, die er sonst so gerne hat, sage ich nichts zum Ablenken. Wie sieht es beim Isaac aus? Comment ça se passe chez toi? Après les fêtes, comment tu te gères? Comment je me gère? Bah, moi, je suis un peu. J'essaie en fait de me distraire déjà. Et la plupart du temps, en fait, vu qu'on perd en compétition, j'essaie de faire des trucs compétitifs pour un peu me faire du bien. Je joue à FIFA, je joue à la Play. Je fais quelque chose qui me remet en fait dans ce mode compétitif parce que je suis très frustré souvent après les matchs. Tu parles avec tes parents sur les matchs ou ils sont pas vraiment? Oui, alors oui, tout le monde. Tout le monde m'appelle, ma copine, mes parents, mes amis, mais c'est très dur de me consoler parce que je sais déjà tout. Il n'y a pas besoin de me dire. Merci, c'est ça, le plus fort.
mitnimmt nach einer Niederlage, ist, dass eigentlich alle ihm anläutet und über die Niederlage reden. Aber er sagt, ich weiss es schon alles, ich muss jetzt nicht noch über die Niederlage reden. Er tut sich viel lieber mit FIFA zum Beispiel oder so, sonst etwas ablenken, so etwas als Bewältigungsstrategie. Mit toi, tu parles avec tes parents sur le match, Saint-Tres ou... Non, moi, quand je football, je ne parle pas avec quelqu'un, je n'aime pas parler trop du football. Seulement quand je suis au match ou au stade, après quand je sors, je ne peux pas parler du football parce que ça donne beaucoup de stress à la tête. Donc quand je suis à la maison, dehors, je n'aime pas parler trop du football. Also eben, wie ihm hört, Fußball da sind, ein Stück weit im Stadion auf und es ist auch nicht so, dass er seine Match mit der Familie bespricht, weil er eben doch ein Stück weit auch ein bisschen Stress im Kopf kann bereiten. On a déjà parlé de Marcelo comme ton modèle. Encore un différent modèle, quelqu'un que te plaît vraiment chez. Alors bon. Oui, alors après j'en ai vraiment plein. Mais j'en ai un. J'en ai plein pour le travail, mais j'en ai un pour ce qui dégageait et la joie qui dégageait en fait en jouant au foot. C'est d'ailleurs à cause de lui que j'ai joué au foot, c'est Ronaldinho. Okay. C'est vraiment le sourire, quoi qu'il arrive, qu'on gagne, qu'on perd. Faut toujours garder la tête haute et aller de l'avant. Spannend im Hinblick auf die Vorbildfrage, dass er den Ronaldinho nimmt, und zwar nicht nur wegen seinem außerordentlichen Können, sondern eben auch mit der Mentalität, dass man immer den Kopf oben hat nach dem Spiel, immer das Lachen im Gesicht und etwas, was ihn beeindruckt und eben auch für ihn das eine Vorbild ist unter vielen. Emmanuel hat gesagt, er müsse sich auf eins beschränken, aber auch da Modell. Moi, mon Modell. Moi, j'ai grandi en regardant la Côte d'Ivoire, donc je connais c'est Didier Drogba. Ja, ein Stück weit natürlich verständlich. Didier Drogba mit seinem Hintergrund aus der Elfenbeinküste. Natürlich ein Stück weit nachvollziehbar da vorne. Tu te souviens encore à Munich, en Ligue Champion? Je me rappelle tout, je me rappelle. Das legendäre Finalspiel 2012 in der Champions League. Und immer wenn es mal scheiße geht, dass er jetzt einfach mal Hand schaue ich dort in die ganze Münchner Kurve, einfach richtig traurig ist, wenn er das Ausgangsgoal schießt. Genau, natürlich ein Spieler, der in der Elfenbeinküste sehr viel bewegt hat und natürlich auch für den Emmanuel als Vorbild dient. Quel a été le moment le plus difficile pour toi dans ta carrière? Tu as déjà parlé de ton après la Primavera en Serie C. C'était quoi le plus difficile? Le plus difficile, ça a tout le temps été les blessures. Parce que moi, j'ai pas eu trop de chance parce que je me suis blessé beaucoup. Quand il y avait le moment d'exploser, je me blessais. Donc ma tête, ça a été beaucoup difficile parce que je disais tout le temps, il me manque un peu. Mais pas de ma faute parce que dans le football tu te blesses et ça sur le moment plus difficile que même maintenant je ne sais pas comment je fais à l'affronter quoi, mais ça passe doucement. Mais quand même c'est les blessures, c'est trop. Pour moi c'est trop. Ich habe Emmanuel darauf angesprochen, auf seinen schwierigsten Moment oder seinen schwierigsten Moment in der bisherigen Fußballerkarriere. Er sehr denkt, er nimmt irgendein sportliches Spiel, zum Beispiel Playout mit Pianese, der Fall fast in die Vierklassigkeit, auch immer ein Moment am Scheideweg für einen Profifußballer innerhalb von Italien. Aber er nennt seine Verletzungen, die ihn doch immer wieder begleitet. Sie gehören ein Stück zum Fußball, aber sie gehören für ihn eben nicht in dieser Kadenz zum Fußball. Auch jetzt wieder der Doktor, der ihm Mühe bereitet. Und das ist doch etwas, wo er Mühe hat, sich mit dem abzuwinden, weil es immer scheinbar dann gekommen sind, wenn er kurz vor dem Durchbruch seinem eigenen sich gesehen hat, dass er dann wieder aus einer Verletzung sich ausbremst. C'est comment chez toi avec le moment le plus difficile. Le moment le plus difficile pour moi, c'est comme Emmanuel, c'est les blessures. J'ai eu énormément de blessures qui m'ont, disons, beaucoup freiné dans ma progression. Et ça a été difficile de se blesser et de voir qu'on est ralenti pendant que d'autres joueurs, en fait, eux, n'étaient jamais blessés. Monter, j'ai dû être patient. Et c'était un peu ça la vie, d'être patient et de ne pas craquer dans la tête.
wie sie gesagt hat, es ist mir ähnlich, auch die Verletzungen. Und vor allem eben auch das Gefühl, wenn man merkt, dass Mitspieler sich scheinbar nie verletzen, dass deren ihre Karriere immer weiter aufgeht, dass sie sich weiterentwickelt und du selber bist wieder ausbremst von einer Verletzung, dann hätte ich auch sagen, ich muss mir das Herz nehmen, um meinen Weg gehen. Und zu dem Weg gehört jetzt eben auch die Verletzung und den nächsten Schritt machen, wenn es möglich ist. On va parler de quelque chose de différent encore une fois, vous savez déjà. Que préparez-vous lorsque vous invitez des amis chez vous-même? Quel plat? C'est lui qui prépare, donc c'est lui qui doit le poser. Tu invites Charlie déjà? Non, j'habite. Et d'habitude, c'est de manger africain. D'accord. Moi, je vais, quand je vois, c'est achiké. Ça s'appelle achiké? Ouais. Okay. C'est cool. À peu près comme le couscous, quoi. À peu près la même chose. Tu trouves tous les ingrédients ici à Saint-Germain? C'est pas vraiment difficile? Non, tu crois, je ne suis pas complète. Tu trouves tous les ingrédients pour... Ouais, je trouve. Et en plus, quand je rentre à la maison, je vois les pêches de ma maman et j'en vois ici. Ok. Tu peux dire encore le nom? Achéke. Es geht darum, die beiden kochen, wenn sie Leute einladen. Der Manuel hat gerade auf den Isaac verwiesen, dass er auch nicht Leute einladen. Er hat aber dann trotzdem noch gesagt, dass es afrikanisches Essen, Achéke, so ein bisschen ähnlich wie Couscous, da ist, wo er doch seine Leute auftischt und er kommt sogar alle Zutaten über, aber er kauft dann eigentlich, wenn er bei der Familie in Cremona ist und den auf St. Gallen bringt. Und er wird c'est quoi que tu fais? En vrai, c'est un chiki. Ah, c'est la même chose. Ouais, parce qu'on fait ensemble, c'est lui qui prépare. Ah, oui, c'est bien, d'accord. Du coup, moi, je prépare ça parce que c'est un repas relativement simple et compliqué à la fois, mais quand même simple à faire. C'est ma mère qui m'a appris. Elle vient pas de Côte d'Ivoire, mais elle a des amis de Côte d'Ivoire qui l'ont appris. La plupart du temps, quand j'invite des gens, enfin, surtout eux, parce que c'est surtout eux que j'invite à la maison. Eux qui m'invitent à la maison, du coup c'est moi qui prépare, avec Lorraine. Ok, spannend, dass er nennt die gleiche Mahlzeit mit dem Hintergrund, dass seine Mutter, die ihm da gelernt hat, die Speise, dass sie Freunde hat aus der Côte d'Ivoire, aus der Elfenbeinküste. Und wenn er eingeladen wird, meistens so mit Manuel, mit dem Hintergedanken, dass er dann eben auch sein Essen muss vorbereiten. Genau, und es ist doch spannend, dass der Essen sie zwei verbindet und doch eine Spezialität ist, die aus der Lieferbergküste kommt. C'est quoi la différence le plus grand entre les spectateurs en Suisse et en Italie? En Italie, il n'y a pas tous les clubs comme beaucoup de supporters. Et à Saint-Gall, moi, j'ai resté surpris parce que j'ai joué dans beaucoup de clubs en Italie, c'est pas partout où j'ai vu ça, peut-être dans deux ou trois, où les gens ils chantent du début jusqu'à la fin. Donc c'est ça, le supporter. Pour moi, ça veut dire supporter une équipe. Du musst dich feststellen, also im Land der Ultras gäbe es nicht so viele Fans, die von A bis Z durchsingen wie in St. Gallen. Also da hat man schon einen Eindruck. Mit dem Hintergrund auch, dass er vor allem eben in der Serie B und in der Serie C gespielt hat. Aber ich glaube schon auch, dass da etwas ist, wo in der Schweiz die Leute auszeichnet oder das Stadionerlebnis auszeichnet, dass eben doch auch die kleineren Clubs Fanszene haben. Oui, parce que je vois qu'ici en Suisse, les gens sont plus attachés au football qu'en Italie, parce qu'en Italie, il y a beaucoup de distractions, donc ils remplissent le stade, mais c'est comme s'ils si vont là-bas perdre le temps. Ça, c'est ça, là, c'est pas la Suisse. Hein? Ça, c'est que ça. Ouais, c'est ça, je dis, beaucoup surpris, tu vois. Oui. Er ist auch überrascht, wie viele Leute sich da für den Fußball interessieren, beziehungsweise Stadion voll machen. Da würde ich jetzt gerade stellvertretend für die Super League und Challenge League sagen, aber doch da imponiert, dass eben in St. Gallen auch das Stadion voll ist und die Leute eben nicht so viel Ablenkung haben und beziehungsweise andere Probleme haben, die sie vielleicht in Italien auch von einem Stadionbesuch kann abhalten können. Tu as dit que tu seras bientôt, on parle de quel temps?
Voilà, bientôt, bientôt, pas de. Moi, je pense une semaine maximum, deux. Ouais, moi, c'est bientôt, donc. Si on pense, deux semaines déjà passées, donc ça va. Zwei Wochen, wie so zurück ist, auf da, und durch da, heisst mit zwei Wochen. Ich glaube, dann würden wir den offiziellen Rahmen schliessen. Ja, vielleicht sind Sie noch ein paar Minuten da. Wer entscheidet der Remo oder wer entscheidet Sie zwei? Auf jeden Fall möchte ich herzlich Danke sagen. Si vous voulez, vous pouvez rester encore quelques minutes ici, parler avec les gens. Si ça vous convient. En français, allemand, moi je bien sûr, bien sûr. Quand même, nous vous remercions pour venir ici, pour parler de votre vie et aussi votre vie comme joueur professionnel. On vous souhaite que le meilleur et merci encore. Merci. Merci. Danke, Roy. Und,